notre clientèle. Et donc, à qui va-t-on s'adresser? Eh bien, crapeta, zut. Bon, il m'en manque une. Non, c'est bon. C'est bon. On va s'adresser à des particuliers. Des particuliers qui veulent consommer, mais qui ont des salaires pas assez élevés pour ça. Et donc, qui vont consommer pour s'acheter un écran plat, pour acheter à manger, pour acheter le matériel nécessaire à la rentrée scolaire des enfants, pour acheter des cadeaux de Noël. Crédit à la consommation. Le crédit à la consommation, c'est risqué, hein, pour nous. Parce que le crédit à la consommation, c'est des gens qui empruntent pour consommer, donc en gros, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, il y a un risque que ces personnes ne puissent pas rembourser. Mais comme nous, on ne va pas s'amuser à courir derrière toutes les télés et les voitures qui ont été achetées avec crédit conso, parce que ça nous coûterait trop cher, eh bien, en gros, pour compenser le risque qu'on prend, on demande des intérêts très élevés. Okay. Donc voilà, ça c'est les critères de consommation. Ensuite, il y a d'autres des particuliers qui viennent nous voir aussi pour acheter leur logement. Et donc ils vont emprunter pour acheter leur maison, leur appartement. Alors les voici. Petit couf. J'en ai sorti trop. Et ça, c'est le crédit hypothécaire. Alors, crédit consommation et crédit hypothécaire, très très différents, même si dans les deux cas, on s'adresse à des particuliers. Tout d'abord, parce que le crédit hypothécaire, c'est justement un crédit à très long terme, contrairement au crédit conso qui va être à très court terme. Donc, on est sur du 20 ans, 25 ans. C'est donc un instrument de fidélisation de la clientèle. Un client qui prend son crédit hypothécaire chez nous va rester au moins pendant la durée de son crédit hypothécaire, 20 ans, 25 ans chez nous. Et puis, surtout, il y a une hypothèque. Ce qui veut dire que si jamais la personne ne rembourse pas, eh ben on va aller chercher la maison. Et donc comme ça, nos risques sont vraiment limités. Du coup, on va pouvoir aussi prêter à des taux très bas. En tout cas, beaucoup plus bas que les taux de la crédit conso qui sont particulièrement élevés. Et on va être prêt à négocier un petit peu aussi, hein, pour s'assurer de garder un maximum de clients. C'est une très bonne accroche pour choper des clients. Alors, il y a aussi des petites entreprises qui viennent nous voir, des entrepreneurs, entrepreneuses, des petits commerces, ou des plus gros commerces d'ailleurs, hein, des PME, petites et moyennes entreprises. Alors là, selon le type de PME, ça peut être extrêmement risqué. Vous savez qu'il y a un taux de faillite très important, hein, dans les premières années de création d'une entreprise. C'est idiot, je ne me rappelle plus des chiffres, mais c'est plus de la moitié des créations d'entreprises qui font faillite dans la première ou les deux premières années. Donc du coup, on doit faire très attention. Aussi, les PME, elles ont tendance à nous demander ce qu'on appelle des facilités de caisse, c'est-à-dire une sorte d'autorisation de découvert. Parce qu'il y a souvent des délais entre le moment où elles dépensent, donc elles font les achats de matières premières par exemple, et le moment où elles vendent, ou en tout cas le moment où elles perçoivent le fruit de la vente. Et donc, ou alors la TVA aussi, la TVA tannée pour les PME. Et donc du coup, elles nous demandent des facilités de caisse pour pouvoir assurer ces moments où il y a un trou avant une rentrée, quoi. Là, c'est un petit peu risqué aussi, la facilité de caisse, hein, parce que si l'entreprise est en difficulté, là, plus rien, elle ne peut plus rembourser. Donc voilà, les PME ont fait volontiers, parce qu'il faut soutenir l'économie locale. Mais on va faire attention, et dans certains cas, on va demander des garanties, et on va demander des taux d'intérêt relativement élevés aussi. Mais on va quand même le faire, parce que petite entreprise peut devenir grande, petit entrepreneur peut devenir riche. Et donc, si s'en sort bien, on va ici construire des relations clientèles durables et valables. Et puis, il y a les grandes entreprises. Alors, les grandes entreprises, c'est plus facile parce que les grandes entreprises, en fait, elles sont grandes. Donc, elles sont regardées par beaucoup de gens, des analystes financiers, des agences de notation, qui vont faire un peu le travail d'analyse pour nous et qui vont nous dire, on peut leur prêter sans trop de risques parce que c'est une entreprise sûre, solide.
Et sans aller jusqu'à Nestlé, pour les grandes entreprises en général, la banque peut choisir d'aller prêter à des banques qui sont bien notées par les agences de notation. On va avoir des taux d'intérêt qui seront moins élevés qu'à côté. Et puis, il y a les institutions publiques, collectivités, les villes, les communes, les régions, les États, même surtout communes et régions, à qui on va également octroyer des crédits. Alors là, bon, c'est du public, c'est garanti, on ne prend pas de risque. Hein. Mais on ne va pas faire ça à perte non plus, donc on va quand même demander un intérêt. Voilà, donc ça c'est tous mes clients potentiels, et donc on a pris la décision de constituer un portefeuille diversifié. Alors il faut qu'on fasse attention, parce que on a une limite de 12, vous vous rappelez. Avec les 1 que j'ai, je peux octroyer 12 de crédit. Donc, portefeuille diversifié, là je vais, prendre... un crédit, l'équivalent de un crédit conso, parce que ça rapporte quand même le crédit consommation. Côté crédit hypothécaire, on va faire un petit peu plus. On va en mettre l'équivalent de 3. Les petites entreprises, commerces, bon, on peut le faire, mais pas trop exagéré pour l'instant. On commence, allons-y doucement. Les grandes entreprises. On en est combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Voilà, allez, on peut peut-être rajouter un peu de crédit conso, un peu de PME, et donc nous en sommes à 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a signé des contrats de crédit, l'équivalent de 12, et donc notre portefeuille de crédit est constitué. Alors j'avais fait des petites étiquettes ici, crédit consommation, crédit hypothécaire, grande entreprise, État collectivité et crédit au PME. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois que j'ai octroyé un crédit ? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à chaque fois que j'ai octroyé un crédit, disons par exemple ici, on a signé un contrat ensemble pour ta maison. Et toi, tu as signé ce contrat, ce carton représente le contrat que tu as signé, qui est donc une promesse que tu vas me rembourser. Et moi, en échange, moi, banque, mon engagement, c'est de mettre l'argent sur ton compte. Et je fais ça à chaque fois. Je signe un crédit, un contrat, voilà le contrat, et on met l'argent sur le compte. On aurait pu le faire progressivement d'ailleurs, c'est plus facile de le faire progressivement. On pose le contrat, on met l'argent sur le compte. Le contrat est signé, on met l'argent sur le compte. Et ainsi, l'argent est mis en circulation dans l'économie par ces crédits que j'ai signés. Alors bien sûr, je ne vais pas faire tout ça en une journée. Hein. Ça va se faire progressivement, au fur et à mesure du temps. J'en ai oublié. Attention. Donc là, voilà où j'en suis. Alors... qu'est-ce qui se passe par exemple si je t'ai prêté pour que tu je t'ai octroyé un crédit pour que tu achètes ta maison et tu as cet argent et donc demain tu vas aller verser cet argent, tu vas faire verser cet argent sur le compte de la personne qui est propriétaire, qui est la personne qui te vend la maison. Peut-être que cette personne n'est pas cliente chez moi. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le virement va sortir l'argent du compte qui va aller dans une autre banque. Et c'est probablement ce qui va se passer aussi au cours du temps, et même d'une seule journée, ça pour le coup. Par exemple, là, les grandes entreprises, c'est le jour de la paye. Elles payent leurs employés. Et parmi ces employés, tout le monde n'est pas client dans la même banque que l'entreprise. Et paf, il y a de l'argent qui sort dans d'autres banques. Alors, le fait est, et disons que ici, on a le même phénomène. Mais également, il y a de l'argent qui a été octroyé, des crédits qui ont été octroyés par d'autres banques, exactement le même schéma, qui vont revenir chez moi, selon la même mécanique. Parce que des clients sont clients chez moi. On va le mettre là pour que ce soit plus clair. Il y a des clients dans d'autres banques qui font la même chose. Et donc, j'ai de l'argent qui me revient. Ok, donc ça circule, ça sort, ça revient. Le fait est que la banque a l'obligation de montrer à tout moment que ceci est égal à ceci.
une façon de s'assurer que les engagements que la banque a fait signer correspondent bien à de l'argent qui a été mis en circulation. Et donc ça veut dire qu'à la fin de chaque journée, il y a des personnes dans la banque, à la trésorerie, qui sont chargées de refaire le compte et de, si jamais il y a une différence, par exemple ici, dans cet exemple-là, il me manque un, de trouver cet argent auprès d'une autre banque. Pourquoi auprès d'une autre banque ? Parce que si moi, il m'en manque un, ça veut dire que dans une autre banque, il y en a un de trop. Vous voyez le truc ? Et donc, cette banque qui en a un de trop, elle va devoir faire la même chose. Elle doit s'assurer que tout est égal à la fin de l'année. Elle a un de trop et donc elle va chercher à le prêter. Et donc, c'est à moi qu'elle va le prêter. Et du coup, je me retrouve avec cette source d'argent qui n'est plus de l'argent qui est détenu dans un compte, mais qui est un crédit d'une autre banque. De fait, ces mouvements-là, ils se passent dans les deux sens en permanence. C'est-à-dire que certains jours, moi, je vais me retrouver dans cette situation-là, où j'ai de trop, et donc je vais prêter à une autre banque les excédents que pour lui permettre à elle aussi de faire la balance ce jour-là. C'est ce qu'on appelle le crédit interbancaire. Et donc ici, par exemple, on va dire qu'on en est trois. Comme ça. En fait, la raison pour laquelle il y en a toujours un petit peu des deux côtés, c'est que parfois on prête à un jour entre banques, parfois à deux jours, parfois à une semaine, parfois en euros, parfois en dollars, enfin, voilà. Et donc du coup, il y en a toujours un peu des deux côtés. Je suis à 10 minutes, même un quart d'heure. Vas-y. Ouais. Quand tu dis des côtés, c'est-à-dire qu'il faut que l'équilibre soit fait entre ce qu'elle a, la banque a prêté et ce qu'elle a en caisse. Et ce qu'il y a correspond en caisse au compte de ses clients. Ouais, en gros, c'est ça. Dans mon exemple simplifié, c'est ça. Il faut que dans mon exemple simplifié, que les crédits soient égaux à ce qu'il y a dans les comptes des clients. Donc que les engagements que la banque a pris trouvent leur contrepartie dans ce que les clients ont reçu, en gros, au moment de l'octroi de crédit. Alors, il y a deux choses importantes que je n'ai pas encore dites. C'est que quand l'argent circule ici, donc par exemple, le crédit que tu as reçu, qui était là, tu l'as payé à quelqu'un, dans la banque qui reçoit cet argent, ce crédit devient un dépôt. Et de la même façon, quand il y a des gens qui payent des clients qui sont chez moi, eh bien, ce qui était un crédit initialement, peut-être, devient un dépôt chez moi. Donc en gros, dans les caisses de la banque, il y a à la fois, d'ailleurs j'ai pas fait compter mon compte, il y a le moment où, par exemple les 300 dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, les 300 sont mis en compte, et puis disons, donc là il y a 300 qui ont été octroyés par les crédits, mais la même personne peut recevoir son salaire et paf, toucher 1 200 euros qui vont augmenter le montant qu'il y a sur son compte. Et donc ici, on a des dépôts en fait. C'est de l'argent qui a été mis initialement en circulation par une opération de création monétaire par le crédit, mais qui, en circulant, devient un dépôt. On dit les crédits font des dépôts. Et donc ici, c'est des dépôts. Et donc finalement, ce qui au départ était un crédit octroyé par la banque devient un dépôt et donc un prêt que les clients font à la banque. Et en fait, à tout moment, les banques doivent montrer que ceci est égal à ceci, c'est-à-dire qu'elles peuvent financer, qu'elles ont un équivalent pour financer, pour montrer que ceci, les engagements qu'elles ont pris, est financé par les dépôts et l'épargne des clients. La deuxième chose que je voulais dire, c'est potentiellement un peu embrouillant ce que je viens de dire, donc on pourra l'éclairer. La deuxième chose que je voulais dire, c'était que comment est-ce que la banque, elle fait donc son argent ? Pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure sur le profit qu'elle génère, bien ici, sur chacun de ces crédits, elle génère des intérêts, qui sont ses revenus. Finalement, sur une partie de ceci, elle va aussi payer des intérêts. Sur l'épargne, pas sur les comptes courants, mais sur l'épargne, elle va payer des intérêts. Alors en ce moment, on paye pas d'épargne, mais voilà. Et donc, la différence entre les revenus d'intérêt qu'elle perçoit de ce côté-ci, et les dépenses d'intérêt qu'elle paye de ce côté-ci, et notamment d'ailleurs pour payer les banques qui lui prêtent,
va faire son résultat d'intérêt, qui est le profit, le premier revenu de la banque. Et de ce résultat d'intérêt, elle va déduire tous ses frais de fonctionnement et, in fine, calculer son profit. À ces revenus d'intérêt, s'ajoute bien sûr tout ce qui est commission que les banques demandent régulièrement. Moi, question. Ouais. Très bien, mais... Ouais. Mais c'est parce que j'ai du mal. Les dépôts, du coup, en fait, parce que tout à l'heure, tu as dit, quand on rembourse un prêt, du coup, c'est plus de la masse monétaire, c'est juste une capacité de prêter. Mais du coup, là, les dépôts, on va dire des comptes courants, tu les mets, du coup, dans la capacité de prêter de la banque. En fait, non, c'est, disons que quand, comme la banque, tous les jours, doit montrer qu'elle, est, qu'elle est à égalité, ouais. Bah, disons, par exemple, pour comprendre un scénario tout simple, disons que il se trouve que la banque a prêté beaucoup, mais qu'il y a pas mal de clients, en fait, qui vont mettre leurs dépôts à la banque d'à côté, parce que les taux d'intérêt sont meilleurs. Et donc, disons qu'on est dans cette situation-là. Du coup... La banque, là, à la fin de la journée, va se dire « Merde, on a un problème. » Donc, probablement, pour résoudre le problème à très court terme, elle va emprunter à d'autres banques. Mais à plus long terme, il va falloir qu'elle trouve un moyen d'attirer des nouveaux clients en dépôt. Oui. Et donc, elle va peut-être faire de la pub. « Non, nous, on fait la même chose que le voisin, plus 0,5%. » Et comme ça, attirer des clients qui vont mettre leur dépôt à la banque. Okay. En fait, il n'y a qu'au moment de la création du crédit et de la création monétaire qu'on est dans le scénario que j'expliquais au tout début. Mais dès que ça commence à circuler, parce qu'il n'y a pas qu'une seule banque dans le système, dès que ça commence à circuler, alors on est dans cette logique de dépôt, épargne, et de la banque qui doit s'assurer en permanence qu'elle finance, parce que l'argent circule. Elle, ses engagements ici sont presque fixes. Elle prête, et elle s'assure qu'elle récupère. Mais c'est pas à la journée, en général, tout ça. Et ça, par contre, ça bouge. Et c'est cette partie-là qu'elle doit s'assurer que... ou sur laquelle elle doit s'assurer qu'elle obtient bien le financement nécessaire pour montrer qu'il y a égalité. Visuellement, si tu remets un petit pastille de capital au-dessus, ça, ça fait le mouvement du capital vers les 12 fois. Et sur une autre ligne. Ici ? Non, si tu la mets au-dessus. Enfin, au-dessus de quoi ? Visuellement. Là. Où ça ? Ou ailleurs, en tout cas. En lévitation ? Non, au-dessus, carrément en dehors. Là ? Ok. Non, non, mais en fait, ça fait partie de l'histoire. Oui, là, à la main, là, visuellement, on voit le passage du capital à 12 fois. Et puis, mais, enfin, moi, je le vois. Okay. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et en fait, là, Aline, tu disais, c'est pas tous les jours que les deux colonnes doivent, c'est, enfin, doivent être égales. C'est en fait à quelle temporalité? Parce que là, je me rends compte de tout le mouvement qu'il y a. Si dès que je trouve un prêt, et donc du coup, les jetons ils partent, tout de suite la banque elle doit réagir, soit comme tu dis, avec un dépôt, soit avec un prêt interbancaire. Et du coup, il y a plein de mouvements, en fait. En fait, à la fin de la journée, c'est pas qu'on va appeler sur les deux dernières heures, venez déposer votre argent, ça marche pas, ça c'est plus à long terme. Ce qui se passe tous les jours, en revanche, c'est qu'il y a la trésorerie de la banque, il y a des personnes dont c'est le boulot, qui comptent où on en est, et qui vont s'assurer d'obtenir le financement nécessaire pour boucler la journée. Donc oui, il y a des choses qui sont faites tous les jours. Sinon, c'est la faillite. Un bouclage journalier. Et donc, non, même c'est si... pas la faillite. Mais c'est pas, déjà, c'est pas réglementaire et on n'a pas de vue sur est-ce que la banque elle est au carré ou pas. C'est une obligation. Même si on n'a pas tout de suite les dépôts qui vont compenser la sortie, les banquiers s'assurent qu'il y ait quelque chose qui rentre dans les jours qui viennent, des choses comme ça. Non, en fait, ce qui va se passer, c'est si par exemple les dépôts sont partis chez des banques concurrentes, ça veut dire que dans les banques concurrentes, il y aura un excès de dépôts, il y aura un excédent. Parce que c'est pas elles qui ont créé ce crédit-là, c'est moi. Donc du coup, elles vont être dans la situation où il y a 3 jetons en plus. Et donc, elles ne pourront pas les garder non plus, ces 3 jetons en plus. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont me les prêter. Je suppose que dans les écritures, ils savent très bien où va aller l'argent. Et donc, leurs clients ont été déposés chez Fortis, alors que moi, je suis ING. Et donc, ils vont emprunter, enfin, la banque, pour rééquilibrer, va aller emprunter à Sania. Bah en fait, non, disons que les trésoriers des différentes banques se connaissent. Ils sont en lien tout le temps. Et donc, ils font ils se passent des coups de fil, et puis
Moi, j'ai pas été trésorière, hein, donc je m'imagine un peu le truc de ce qu'on m'a raconté, comment ça se passe. Il s'appelle, il discute les conditions, à quel taux tu me le fais, il appelle le voisin si le taux est pas bon, etc. Et puis, à la fin de la journée, tout le monde est content. Et on a équilibré les comptes. Le truc, c'est que ça se passe pas en vase clos, quoi. Maintenant, c'est mondialisé, donc du coup... même à l'échelle de la Belgique, il peut y avoir un excédent de dépôt ou un déficit, et du coup on va plus emprunter à des banques étrangères ou plus prêter à des banques étrangères, ça dépend quoi. Ouais. Et donc c'est selon quel règlement, enfin, c'est une réglementation qui a dû être, c'est pas comme ça, on a décidé que ce serait égal, il y a forcément une réglementation. Ouais, alors dans quelle réglementation c'est? Soit c'est dans des règles comptables. Mais je pense pas, parce que ça c'est plutôt... Ça doit être plutôt dans les... Ça m'étonnerait pas que, comme c'est des trucs de liquidité, ce soit dans CRD, donc Capital Requirement Directive, qui est la loi européenne qui réglemente le capital et la liquidité des banques. Et donc, la deuxième question, c'est qui est l'arbitre? Enfin, quelle banque arbitre? Quel est l'arbitre de tout ça? T'as la banque centrale, les autorités nationales. Les autorités de contrôle nationales ou européennes et ou européennes pour les plus grosses et les autorités de contrôle. Mm-hmm. Donc en Belgique, comment ça s'appelle la FSMA? Contrôle du secteur bancaire. Et le crédit interbancaire ne sert qu'à ça. Ou ça pourrait être aussi dans le cadre de on se fait des prêts entre nous. Comme ça, j'augmente un peu mon capital et je peux encore... C'est comme ça et ça va être la troisième partie. T'as une question? Ouais, si c'est réglementé et quasiment obligatoire et tout ça, pourquoi il y a des trésoriers qui s'appellent et qui négocient et tout ça? Pourquoi c'est pas automatisé avec des taux fixes? Bah, en fait, ils se prêtent à un taux qui est le taux interbancaire, qui est défini... Le truc, c'est que ce taux interbancaire, il est défini par la pratique. C'est le fameux scandale du LIBOR et de l'Euribor. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En fait, c'est le taux de référence auquel les banques se prêtent entre elles. Sauf que ce taux de référence, il est calculé sur la pratique qu'elles ont des taux entre elles. Et donc, en gros, les deux sont liés, quoi. La pratique influence le taux de référence et le taux de référence influence la pratique. Et l'histoire de, juste pour la petite histoire, Libor, ce qui s'est passé, c'est que c'est les très grosses banques qui se sont mis d'accord pour faire augmenter ce taux. Et du coup, augmenter le taux de référence et donc manipuler le taux qui sert par ailleurs de référence à tout un tas de taux pratiqués par les banques. Par exemple, les crédits divers et variés qu'elles octroient, c'est du Euribor plus, Libor plus. J'ai une question un peu technique. Comptablement, ce dépôt-là, il se met en actif. Parce que moi, je vois ça comme une dette, mais... En gros, vous êtes face, effectivement... Donc ça, ce sont les crédits. Les dépôts. Ça, c'est le capital. Et ici. Donc ça, c'est le capital. Non, pardon. Le capital, les dépôts. Et donc ici, ça, c'est ce qu'on appelle l'actif de ce côté-ci. Et ça, c'est ce qu'on appelle le passif. On va plutôt mettre... L'actif, c'est en gros ce que la banque a, c'est-à-dire des promesses de remboursement. Et le passif, c'est ce qu'elle doit. C'est-à-dire que ça, ça appartient à ses clients, en fait. Et ça, c'est une dette qu'elle a envers une banque. Et ça, c'est l'argent de ses propriétaires. Donc actif-passif, c'est vraiment les deux colonnes d'un comptable, tu vois. Et donc l'actif, hein, c'est ce que dans une comptabilité d'entreprise de base, c'est ce que la banque a, c'est ça, ce que l'entreprise a, ça peut être ses stocks, ses investissements, etc. Le bâtiment. Ouais, exactement. Et du côté du passif, hein, c'est comment elle a financé cet actif. Et donc, pour une entreprise traditionnelle, tu vas avoir un tiers ou la moitié du financement, c'est son capital. Et puis, le reste, ça va être des emprunts ou des... Enfin, bon, voilà. Donc, l'emprunt se trouve dans le passif. Et donc, l'emprunt se trouve dans le passif parce que c'est comment tu vas financer. Tu finances en demandant de l'argent à tes propriétaires. C'est l'argent des propriétaires, c'est l'argent des investisseurs, c'est l'argent des prêteurs. Et donc, pour une banque, c'est très différent parce qu'on est sur... Le capital de la banque ne représente pas beaucoup.
dans la source de financement de la banque. Ok, donc ça c'est les dettes, le ouais. capital c'est le rouge, et en blanc c'est genre... Les dépôts. Les dépôts... De la c'est l'argent qui est sur le compte des clients. Ouais. Mais qu'ils ont créé eux-mêmes. Enfin, c'est un truc un peu... Bah, au départ, hein, c'est une création monétaire par le crédit, et puis au fur et à mesure où ça circule, ça devient du dépôt de l'épargne. Ouais, ça va. C'est intéressant. Juste une curiosité, Aline. Quand tu parlais des petites et moyennes entreprises, tu as mentionné la facilité des caisses. C'est, en gros, c'est quand les entreprises demandent des périodes de non-remboursement, enfin des facilités pour les... C'est un découvert, en fait. Elles peuvent aller dans le négatif, tu vois. Ouais, et donc, en gros, elles demandent à la banque... Faites pas gaffe trop à ça. Non, oui, bah, en fait, ce qui se passe, hein, c'est qu'ils vont signer un contrat dans lequel la banque dit, vous pouvez par exemple aller jusqu'à 10 000 euros de découvert. Ouais. Et on vous, à chaque fois que vous allez utiliser cette capacité de découvert, on vous facture X% d'intérêt. Ah, ok. Donc ça augmente les intérêts. Ouais, en gros, ils payent un intérêt plus grand parce que ça permet de faire ça. Voilà. Okay. Mais le service facilité de caisse est payant aussi. C'est-à-dire que pour avoir cette facilité de caisse, l'entreprise va payer. Et quand elle utilise la facilité de caisse, donc un prix fixe, et quand elle utilise la facilité de caisse, elle paye en fonction de ce qu'elle a utilisé en intérêt. J'aurais pu te raconter un tout petit peu moins de trucs. Mais non, mais c'est bien. Enfin, il y a 1h15 encore. Donc, bah, du coup, je vais continuer. Alors, on va décaler un peu tout ça par là, parce qu'on a déjà une place. Si vous pouvez m'aider à décaler les petites enveloppes, les petits machins, ce serait génial, on ira plus vite. Donc, une grande main. Ouais. Donc, en gros, voilà, ça fait un petit moment que notre banque poursuit ses activités. Et à force... de travail d'engagement de nos équipes, n'est-ce pas ? Eh bien, merci beaucoup à tous et toutes. Voilà, on est bien. À force de travail et d'engagement, eh bien, arrive ce jour merveilleux où nos activités ont généré. On va le prendre en rouge. Profit qui va être ajouté au capital ici. Et aujourd'hui se tient le conseil d'administration de la banque. Le conseil d'administration, c'est donc la réunion des propriétaires, la réunion des actionnaires. On va présenter, moi et mon équipe, les résultats de la banque. Et on va présenter également un certain nombre de propositions au conseil d'administration pour ce qui est de l'emploi de ce nouveau jeton qui leur appartient maintenant. On a plusieurs options. Soit ils le prennent sous forme de dividendes, ils se récupèrent, rémunération de leur capital. Option 1, et donc nous on continue notre petit bazar, hein. les gens remboursent leur crédit, on reprête, ils remboursent, on reprête, etc. Soit... On utilise ce jeton pour développer nos activités. Alors, développer nos activités, ça peut vouloir dire quoi ? Ça peut vouloir dire faire la même chose, mais en deux fois plus grand. C'est une possibilité. Mais développer nos activités, ça peut vouloir dire aussi, j'ai oublié un énorme morceau, développer nos activités, ça peut vouloir dire aussi s'engager dans de nouvelles pratiques. Alors, je suis désolée, ça fait un moment que je ne l'avais pas faite et j'ai oublié un gros morceau. Donc, avant de vous dévoiler quelle est la décision du conseil d'administration, je vais vous montrer comment, en fait, il se trouve que on a compris assez vite que c'était pas 12 qu'on pouvait engager, hein, donc on revient là. C'était pas 12 qu'on pouvait engager, mais en fait, c'était beaucoup plus que ça. En fait, ce que la loi dit, c'est qu'avec 1 de capital, on peut risquer 12. On peut mettre 12 à risque. Mais si on arrive à montrer que dans les...